Bonjour à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo donc sur ma chaîne. Aujourd'hui, on va parler dessin comme vous pouvez voir. Donc je pense que je vais proposer sur ma chaîne de plus en plus de ce genre de vidéos là. Donc alors, c'est une dédicace à la base que j'avais faite il y a quelques années. Une guerrière un peu tribale. Et en fait, pour cette première vidéo que je vous propose ici, j'avais vraiment envie d'essayer de la retravailler. Et je voulais vous proposer un petit peu, je sais pas si vous étiez sur Twitter au moment où j'ai un petit peu proposé justement de ce dessin là, j'avais demandé bon bah voilà, je vais dessiner, qu'est-ce que vous voulez que je fasse, et on m'avait parlé justement d'une guerrière, donc je me suis dit pourquoi pas, je vais reprendre cette vieille dédicace que j'avais beaucoup aimé faire, et c'est parti. Donc alors, je vais vous expliquer un petit peu comment je m'y prends. Donc là j'utilise en fait un papier un petit peu spécial, il n'est pas tout blanc, donc c'est un carnet de croquis avec un papier craft, c'est de la marque Canson tout simplement. C'est avec ça que j'ai fait tous mes Inktober, si vous m'avez suivi sur ma page Facebook ou sur DeviantArt ou même sur Instagram, je crois que j'ai posté ça sur Instagram. Donc c'est un papier craft qui est légèrement marronné si vous voulez, et donc du coup ensuite quand on utilise des quand on fait des personnages, donc la peau la peau ressort un petit peu plus avec du blanc par la suite, vous verrez un petit peu de quoi je parle. J'ai commencé le dessin que vous voyez en dessous, qui est très 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 délavé, enfin c'est délavé, très clair. C'est fait avec un Colerase, donc c'est de la marque Prismacolor, c'est une marque de crayon de couleur qui se gomme très facilement en fait. Et c'est avec ça que je fais pratiquement tous mes dessins sur mes sketchbooks un petit peu partout. Et donc ça marche génial, ça marche vraiment super bien pour dessiner, pour gommer facilement. Donc le stylo là que j'utilise, alors c'est un stylo un petit peu spécial, c'est un Kuretake, c'est un stylo feutre, donc même pas, enfin c'est un brush pen en fait qu'on appelle ça, donc la pointe est en forme de pinceau, voilà. Et ce qui vous permet de faire un petit peu des pleins et des déliés. Et celui-ci a de particulier par rapport à des pintelles, par exemple, pour ceux qui connaissent, c'est que voilà, la pointe est quand même assez... assez fine et assez un peu rigide quand même pour réussir, pour pas que ce soit trop souple, voilà. Donc j'ai essayé de faire en sorte que ça sèche un tout petit peu, j'aurais dû faire sécher un tout petit peu plus. Et là ensuite voilà, j'attaque avec les marqueurs. Donc ça, ce sont des Copic Chao, donc c'est une marque japonaise qui est très très appréciée, très très utilisée par les mangaka et puis par les illustrateurs en général. Et c'est une marque qui est extrêmement chère parce qu'on y a beaucoup de couleurs, il y a beaucoup de collections, et un pinceau, alors ce pinceau là, donc la gamme Chao, c'est une gamme donc avec des copies qui sont un petit peu plus on va dire abordable, mais le Copic coûte entre 3,50€, 4€, voire 4,50€, là où ça dépend où vous les achetez. Donc voilà, moi j'en ai une petite collection, mais bon, comme voilà, je dessine, je travaille, donc voilà, j'ai les moyens de m'en acheter. Alors, je vous rassure, j'ai pas toute la collection, même si franchement j'adorerais avoir toute la collection, mais bon, voilà, j'en ai quelques-uns quand même. Et donc voilà, ce qui est plutôt pratique, donc c'est que ces copiques ont un côté brush aussi, un côté pinceau qui permet d'avoir vraiment quelque chose de très très agréable pour les aplats de couleurs. Et donc les copiques, les marqueurs à alcool, donc comme les copiques, sont un petit peu, comment dire, translucides et assez humides, et ce qui fait que voilà, pour travailler, comme vous allez voir avec, je crois que j'ai utilisé une couleur un petit peu plus foncée ensuite, vous verrez ça plus tard. Donc voilà, pour les... Pour la peau, j'ai décidé donc d'ombrer, on va dire, la peau et le dessin en général avec un gris, avec toute une gamme de gris. Donc j'allais du gris le plus clair à ensuite un gris plus foncé. Donc ça, c'est toujours des marqueurs. Qu'est-ce que je peux vous dire, donc vous avez des tonalités de gris froid, de gris chaud et de gris neutre. Là, j'ai utilisé du gris froid parce que je sais pas, ça me paraissait plus approprié. J'aurais peut-être pu utiliser du gris neutre, du gris chaud, puisque voilà, je voulais une tonalité un petit peu avec des couleurs chaudes, avec la chevelure de cette guerrière tribale qui pétait, donc avec un orange assez prononcé. Et voilà, je voulais aussi quand même peut-être un peu contrebalancer avec une colo un tout petit peu plus froide au niveau des ombrages.
Donc comme vous voyez avec avec le comment dire la couleur du papier, ça fait un petit peu couleur de peau, on va dire. Et c'est ça que j'apprécie vraiment avec en fait ce papier là. Il y a aussi une autre il y a aussi en fait une autre gamme de papier que j'ai acheté il y a quelques temps. J'ai acheté les petits formats, mais j'aimerais vraiment acheter les grands formats. C'est de la marque Strathmore, c'est une marque américaine, et qui font justement des papiers donc ou à tonalité grise ou à tonalité comme ça, un peu terre, un petit peu marronné. Et voilà, pour faire ce genre de dessin, c'est absolument génial. Donc là, je continue à utiliser mes Copic, donc avec les différentes teintes de gris. Pour la lance et pour donc un petit peu le bois de la lance ici. Qu'est-ce que je pourrais vous raconter en plus? Bah écoutez, juste un petit aparté. Donc si ça vous plaît, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce bleu pour m'encourager à en faire d'autres. Moi j'avoue que j'aime beaucoup en faire. Donc je pense vous en proposer quand même un petit peu de temps en temps. Je vous rassure, la prochaine fois il y aura sans doute, j'espère, un autre point de vue. Là j'ai un petit peu lutté pour trouver comment filmer en fait ce que je pouvais dessiner, puisque avec mon trépied et mon appareil photo, j'ai pas pu utiliser mon réflexe pour filmer, puisque ça faisait en fait je suis obligée de le pencher vraiment en avant pour qu'il puisse cibler le papier, et en fait avec le poids de l'appareil il a tendance à tomber avec le trépied. Donc du coup j'ai utilisé mon ancien appareil photo numérique compact, ce qui fait que vous voyez là, donc c'est pas en HD, c'est une vieille qualité. Voilà, donc là j'ai dû faire une petite pause, comme vous voyez la luminosité a changé, puisqu'en fait tout simplement la batterie m'a lâché, donc il a fallu que je remette un petit peu à recharger le temps de le recharger. Donc du coup la luminosité a un petit peu changé. Donc là je continue à coloriser donc la brassière et le comment on appelle ça, enfin le pareo, mais bon voilà. Donc je rajoute avec du orange un tout petit peu plus foncé, un petit peu plus de détails dans la chevelure pour rajouter un peu le côté vraiment bushy des cheveux. Donc voilà, là ensuite c'est un petit peu le dernier stade. Là j'utilise en fait un stylo qui s'appelle, donc c'est le Sakura, c'est la marque Sakura, le Jelly Pen Roll en white, donc en couleur blanche. Et comme vous voyez, comme le papier est donc de couleur sable comme ça, le blanc pète à mort sur ce papier là, et donc du coup vous réussissez à faire sortir votre personnage de manière assez sympa, et ça permet justement d'avoir aussi des détails, de mettre le blanc dans les yeux ou le blanc sur les lèvres ou dans les cheveux comme vous pouvez voir, et que ça pète à mort sur le dessin. J'avoue que j'ai découvert ça en faisant le Inktober, donc au mois d'octobre dernier. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, en fait le Inktober c'est un événement entre guillemets international. C'est en fait chaque jour de la semaine dessiner, faire un dessin à l'encre. Et j'ai fait ça donc chaque jour du mois d'octobre dernier, et j'ai absolument adoré l'expérience. Vous pouvez voir ce que j'ai fait donc sur ma page Facebook Codaleya, vous verrez tout en barre d'infos, vous inquiétez pas, et aussi sur mon DeviantArt et sur Instagram aussi. N'hésitez pas à aller me suivre là-bas si vous voulez voir la prochaine fois. Donc je vous proposerai ce genre de dessin, et aussi quand je referai le Inktober. La vidéo est presque terminée, voilà, je signe en blanc, et je me suis rendu compte que j'avais oublié ici et là 2-3 trucs. Donc voilà, bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère en faire d'autres. En tout cas moi j'ai pris vraiment mon pied à le faire, et je vous dis donc, je vous laisse finir avec cette vidéo, les dernières secondes, et je vous dis à la prochaine, ciao !